Ravi de vous retrouver ce soir pour ce nouvel épisode sur mon sixième hôpital et en route vers la troisième étoile. Ça va peut-être être un peu plus compliqué que prévu. Non, je vois que là il manque quelques docteurs. Il y a une grosse file d'attente là sur ce traitement, mais c'est parce que c'est une urgence, donc pas trop de soucis à se faire de ce point de vue là. J'espère juste que le docteur va finir par arriver. Ouais, c'est bon. On va quand même embaucher là parce que je vois que ça manque de docteurs. Je vais prendre un spécialiste là des rayons de la radiologie. Et je vais en prendre un autre. Il a traitement, aptitude de traitement. Ça, ça me plaît. Ah bordel, il y a trop de fantômes là. On va embaucher un chasseur de fantômes. Ok. Alors, ce qui va être compliqué, à mon avis, c'est la valeur de l'hôpital, là. Ça fait quand même cher. Hein. 1 million. 5 millions, pardon. On va voir, mais... Ah, putain, mais pourquoi il manque autant... Autant de docteurs, tout d'un coup. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais former un nouveau lot, entre guillemets, de psychiatres, peut-être 3... C'est pas facile d'en trouver, honnêtement. Non, c'est pas là que je voulais le mettre. Okay. Ouais, c'est pas facile d'en trouver, je crois. Quand c'est qu'il me manque autant de docteurs, c'est comme si j'avais viré la moitié de mon staff, quoi. C'est impressionnant. Bon. On va voir. Ce qui compte, c'est de maintenir des bénéfices élevés. Où il se casse, lui? J'hallucine. C'est quoi ce bazar? Il me manque du monde partout. Ça commence à bien faire. Okay, pas encore. Bon, ce temps-là, il y a déjà 30 jours d'écoulés. Bon, ça, ce sera sans problème. Ça aussi. Non, le problème, c'est vraiment ça. Il va falloir que j'augmente mes bénéfices. Et que j'agrandisse un peu mon hôpital quand même, quoi qu'il en soit, je pense. Ça suffira pas la taille que j'ai actuellement. C'est beaucoup les bénéfices, mais pas que, très honnêtement. C'est aussi... Ah merde, pourquoi je l'ai rajouté là, je sais pas. J'ai eu un mort là. Cette machine, je l'améliorerai une fois que l'urgence sera finie. On va passer en vitesse supérieure. Mort là. Putain, il est dégueulasse mon hôpital en fait, j'avais pas vu mais. C'est carrément crade, on va embaucher. Tant pis pour les bénéfices. Faut quand même que. Il y a un petit nettoyage de fait. Donc là je sais pas trop comment m'organiser pour l'instant. Je pense qu'il faudra que je fasse un nouveau méga scanner là. J'ai un méga scanner et j'ai deux rayons X. On va de ce pas se faire. Un nouveau méga scanner, je pense. Voilà, c'est pas très pratique. Je sais pas trop comment le placer. Est-ce que je peux pas. Non. Bouger ça. Est-ce que je peux pas le mettre là plutôt? Ouais, on va le mettre là. Là, ça nous laisse un petit espace pour aménager des choses, genre un kiosque ou. Enfin, on verra ce qu'on peut mettre. Mais ça me paraît nécessaire. Les rosiers, non. On a dit qu'on passait à des plantes un peu plus attractives. C'est tout pour cette pièce. Ok. Alors, il y a eu un nouveau patch. Et je me demande si, du coup, l'hôpital, ça... Il n'y a pas un nouveau patch sur le patch change pas la propreté des. Parce qu'avant, il faut bien avouer que c'était toujours propre. Là, j'ai l'impression que c'est plus tout à fait le cas. Je me trompe peut-être, mais. Bon, là, cette urgence, ça avance bien, j'ai l'impression. On va pouvoir la réussir. Eux, ça avance bien. Je sais pas trop ce que fait le patch. Bon, j'espère que ça améliore les choses de façon intéressante.
Je l'ai lu rapidement et j'avoue qu'il n'y avait rien de révolutionnaire. Donc j'y ai pas porté trop d'attention. Merde, il est mort. Faut qu'on fasse gaffe quand même. Hein. Il me manque encore un pour réussir la mission. En plus là ça a l'air. Alors lui faut que ça réussisse quoi, grosso modo. Sinon, c'est la merde. Canon ultrasonique, bon ça c'est bien, ça veut dire que je peux améliorer. C'est quoi déjà le canon ultrasonique? C'est ça. On va l'améliorer tout de suite parce que de toute façon ça augmente quand même très nettement les chances de soigner les gens. Embaucher un chasseur de fantômes. Allez. Et merde, la mission va échouer. On est à 3, on a pas la moyenne entre guillemets. J'aurais jamais le temps de le faire en 2 jours. Bon, c'est pas capital, mais étant donné que j'ai une réputation déjà largement suffisante. Mais juste pour... Voilà, 3 sur 7. Juste pour... ma propre satisfaction, je trouve ça dommage. J'ai pas de chasseur de... personnel. Ah, ma souris déconne un peu, j'avoue. Genre, Louis. Lui, je sais pas ce qu'il fait, mais... En tout cas, maintenant, il va chasser le fantôme. Bah, il est parti. Comme ça, c'est plus simple. Ok. Bon, bah, je suis un peu déçu. Mais c'est comme ça. Pourquoi lui, il est pas content? Ennuyeux, bougon. Ouais, mais qu'est-ce que j'y fasse, moi? Qu'est-ce que je pourrais lui rajouter? J'ai mis des jeux vidéo. Ouais, mais de toute façon, lui, il peut pas jouer... Je sais pas moi quoi rajouter pour le rendre moins malheureux celui-là. Alors on peut rajouter des posters je crois, ou alors des choses comme augmente l'attrait de l'hôpital. Augmente l'attrait de l'hôpital, non c'est pas ça qu'il faut. Fontaine, alors ça carrément, fontaine augmente l'attrait de l'hôpital, ça c'est bon ça. Augmente l'attrait de l'hôpital et le prestige. Vitesse de formation 1%, c'est pas mal. Augmente l'attrait. Ça m'étonnerait que ça. On peut le mettre à l'extérieur quand même? Ah oui. Ouais, je sais pas honnêtement si ça sert vraiment. Posséder une salle de repos niveau 5, ça il peut toujours rêver. Alors lui il est pas content, peut-être parce qu'il n'était pas assez payé tout simplement aussi, il faut voir ça. Ah c'est ça qu'il fallait que je fasse, oui, j'y pensais plus mais... ça c'est la salle d'injection. Ah non, analyse des flux, pardon. Alors... On va aller la caser par là, et là du coup normalement... Je devrais pouvoir en caser deux en fait, c'est ça l'avantage. Là, je vais caser ça. Et normalement, je devrais aussi pouvoir caser juste à côté un généraliste. Parfait. Voilà, ça tombe plutôt pas mal. Là, ça nous donne un couloir, tout ce qui est de plus satisfaisant. Donc de ce point de vue là c'est pas mal. Et la valeur augmente bien finalement. Bon ça c'est bon. Ça c'est bon. Et le VIP honnêtement on s'en fout un peu. Par contre j'ai pas fait de toilette. Ce que je pourrais faire c'est les caser bah juste ici en fait. Ouais on va faire ça. La taille habituelle. Enfin la taille d'une salle habituelle ouais. Ok, radiateur, on va mettre les fleurs. La poubelle si je peux. Je suis pas sûr que j'ai la place où tout mettre, mais... Je sais pas où elle est la poubelle. Elle. Ouais, je suis pas sûr. En se serrant un peu, c'est parfait. Et là, on aura de quoi mettre une grande pièce. Je sais pas ce que je vais mettre. Là, j'ai pas trop d'idées.
Est-ce qu'on a déjà la cafétéria? Pour l'instant, je pourrais mettre une cafétéria. Alors, en pas trop la. Je peux pas la faire trop grande non plus. Voilà, réduire un peu. Comme ça, peut-être. Elle sera. Bon, elle sera pas très très grande. On verra. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre dans la cafétéria déjà? Il faut mettre ça. Il faut mettre l'entrée quand même. L'angle est pas valide. Ouais, on peut pas y mettre grand-chose, mais bon. Ce sera quand même un ajout intéressant. Peut-être, je sais pas trop, j'avoue. Par contre, on va y mettre des plantes. On va essayer de la monter un peu en niveau peut-être. Est-ce que je pourrais rajouter des choses? On est niveau 2 seulement, ça fait pas énorme. On peut pas y mettre de fenêtre. Poubelle, on l'a déjà mis. Je sais pas ce que je peux rajouter. C'est pas grand-chose honnêtement. Bon, on va s'arrêter là pour l'instant. Par contre, on va embaucher un assistant. Elle est un peu paumée, elle n'est pas centrale du tout cette cafétéria, donc je ne sais pas si elle sera vraiment très fréquentée. On verra bien. Par contre ici on va mettre distributeur de soda, distributeur d'Anka. On va y mettre des jeux vidéo. Ceci dit on va en mettre aussi un ici. Je sais pas si j'en avais mis là, des fontaines à eau déjà, je crois pas. Et un petit téléphone, tiens, un distributeur de bonbons dans à côté de la cafétéria. Téléphone, je sais pas où c'est. Ce qu'il y a, c'est que je commence à avoir quand même beaucoup de choses, et après, plus on en a... Ah, on peut pas le mettre dans la cafétéria, je crois. Si. Ah, on peut pas les mettre sur les petits murs ici. Non, c'est non valide pour cette pièce en fait. 6 patients souffrant de pied, salle commune, oui, ça c'est possible. Bon, ça prend forme, hein. On s'est rapproché des 5 millions sans en avoir l'air. A mon avis, c'est entre autres grâce aux bénéfices. C'est ça qui vraiment fait la valeur de l'hôpital plus que les bâtiments ou. Quoi que ce soit d'autre. Donc on va améliorer la qualité des soins. On va tout de suite lancer une campagne très courte puisque franchement ça suffit pour salle des injections. 3 mois. Par contre je sais même pas où elle est la salle des injections. Je l'ai casée quelque part forcément, mais j'avoue que... Ouais. Non, ça c'est pas la salle des injections. À quoi ça ressemble déjà? Ce qu'il y a, c'est que là je la vois pas. Ah, c'est ça, 22. Ouais. Alors, ça c'est problématique par contre. On va être obligé de s'agrandir. 22 patients, c'est la folie. J'ai de quoi. Il y a des gens qui vont mourir là, ça c'est clair. Ah, ça c'est dommage. Ouais, c'est pour ça qu'on se fait autant d'argent. Ça marche très bien les campagnes, honnêtement. Mais du coup, là, ça marche trop bien, très clairement. Ça marche tellement bien que ça en devient problématique. Ok, donc là, on va attendre. On va copier ça. À la rigueur, je pourrais la mettre juste à côté, à la place de ça. Ça, ça n'a pas besoin d'être là, honnêtement. Ouais, mais ça tombe mal, la taille est pas... Non, non, on va... Ok. Impressionné, récompensant, on s'en fout. Ok, j'espère que je l'ai pas détruite, la salle. Non, c'est bon. Par contre, j'ai pas lancé de nouveau projet, c'est ça le problème, là?
Salle des injections, peu importe, honnêtement, je suis pas. C'est pas ça qui va m'intéresser pour l'instant. Ah, le monde! J'ai bien envie d'en faire deux tout de suite là. D'un autre côté, ça va nous rapporter beaucoup d'argent à mon avis. Ouais, j'ai envie d'en faire qu'une quand même. Je trouve ça bête de faire une pièce pour quelque chose qui va s'arrêter assez rapidement, somme toute. On va embaucher une infirmière. Je pense que là, il va y avoir beaucoup de monde. 6 patients déjà. Et là, il en reste 15. On va faire cette mission à une vitesse absolument phénoménale, je crois. Par contre, là, ouais. On est en train de traiter l'urgence. Les fluides, c'est un peu chiant parce que c'est pareil, il y a une grosse file d'attente. Bon, je pense que cette urgence, ça devrait le faire. J'espère. Salle de niveau 5, on va jamais y arriver, honnêtement. Ça m'intéresse pas trop. Ah merde, on est rendu à 2 échecs là. Ça fait beaucoup quand même, je trouve. Ouais. Ouais, il y en a 2-3 d'installés là, c'est les 3 derniers. Ah, yes, un réussi en plus. J'espère que ça va bien se passer. Il y a quand même pas mal de files d'attente. Peut-être que je pourrais remplacer cette pièce. Ah, il y a un problème à injection là. Faut que j'en fasse. Faut absolument que j'en fasse une autre. Sinon, on va droit à la catastrophe. Ok. Là, c'est aussi une infirmière. On va l'acheter direct, entre guillemets, l'embaucher direct. Promouvoir. On va faire un petit truc sur le personnel, là. Je dois en avoir beaucoup qui sont financièrement assez mécontents. Ouais, ça augmente la masse salariale de 42 000, mais d'un autre côté, ça va aussi améliorer la qualité du travail. Parce qu'en fait, on y est presque à gagner, là, donc... La mission pourrait s'arrêter assez rapidement. Il faudrait que je finisse cette campagne. Dans un mois, elle sera finie. Putain, il y a eu trop de morts, là. Il faut absolument que j'améliore la qualité des soins. On va passer au niveau 2. Pour un certain nombre de personnes. Là, il faudrait que je mette... À la rigueur, si je pouvais mettre un lit de plus et une infirmière de plus peut-être. Il y a eu 111 patients de traités dans cette pièce. Assez impressionnant. Est-ce que je pourrais pas mettre un lit de plus? Au début on n'avait pas trop serré parce que bon, c'était pas nécessaire. Mais je crois que là ça devient nécessaire en l'occurrence. Ne serait-ce qu'un lit, ce serait déjà pas mal. Okay. Bon là, il n'y a carrément plus d'infirmières, mais on va résoudre ça. On a dépassé les 5 millions, donc maintenant c'est vraiment plus qu'une question de finir cette campagne. Et les 30 patients, ça va être tellement rapide qu'on va pas avoir le temps de dire ouf. On va peut-être améliorer cette machine si on peut aussi. Non, on peut pas l'améliorer encore. Celle-là non plus. Bon là, ils ont froid parce qu'ils sont dans une partie de l'hôpital qui n'a pas été du tout aménagée. C'est tout beau, tout neuf. Ok, je pense qu'avec 2 infirmières, ça va marcher beaucoup mieux. Bon là, on s'en fout. Ok, en fait, maintenant, j'ai envie de finir cette mission pour passer à la suivante, pour être honnête. Ça a été relativement rapide, je trouve. Ça s'est bien passé. Donc il est temps d'en finir. Et pour ça,
Il faut attendre quelques jours ici. Soigner 5 patients de plus alors que il y en a 5 qui attendent ici. 3 qui attendent ici et 3 ici. Par contre, il y a des morts. On s'en fout des morts maintenant. Notre réputation est au maximum. Tout va bien. Ça, je peux pas améliorer. On pourrait, à la rigueur, améliorer encore des choses si on a tellement d'argent. C'est quand même bien de limiter le nombre de morts, si possible. Ok, donc elle est finie. On va lancer une autre sur injection, pourquoi pas. Ça, c'est fait. Il y a encore 6 patients, là. Donc la mission sera finie dans quelques secondes et l'argent coule toujours à flot. Je sais pas si financièrement... Oui, cet écran, je le regarde tellement peu. Alors, franchement, 190 000, je sais pas trop. Ouais, les bénéfices s'envolent. J'en suis rendu à 2 millions de bénéfices. C'est plutôt pas mal. Ça, c'est les bénéfices. Ok. Ouais, on a eu un passage difficile là, mais. Ah non, voilà les bénéfices. Quasiment 1 million. Pas mal. On n'a plus d'emprunt, évidemment. Ouais, c'est comme si c'était fini maintenant. Eh bien, ça tombe bien. On va pouvoir passer à la prochaine mission. Celle-là, c'est quand même bien passé. Honnêtement, je pensais que ce serait un peu plus difficile d'y arriver. Mais en fait, c'était très très bien. On n'a même pas eu le temps de tout acheter. Il me restait encore deux bâtiments à faire avant de finir. Ah bah c'est parfait. 3 étoiles. On débloque rien malheureusement, mais c'est pas grave. Ouvrir la carte. C'est quoi le bonus? Je sais pas trop à quoi ça correspond du coup. Alors, ouvrir la carte. On va passer à l'hôpital suivant. Alors d'abord, on va débloquer ça. 3 étoiles ici. C'est tout? Non. 1000 patients. Ok, de toute façon, on a beaucoup de kudosh encore. À la fin, ça sert plus à grand-chose, j'avoue. Alors tout ça, c'est fait. Donc là, on a accès à ces deux-là. Alors celui-là. Un hôpital abandonné près de la centrale électrique ou un hôpital universitaire qui se concentre sur la chirurgie. Ah, c'est sympa. Là, c'est le début de la chirurgie. Eh ben, on pourrait peut-être commencer là-dessus, honnêtement. Ouais, on va commencer par ça. Bon, de toute façon, je vais arrêter la vidéo pour ce soir. On va lire ça vite fait. Smogley. Hôpital de Smogley. Bienvenue à Smogley. Le maire souhaite aider à développer cette zone à la lisière de la ville. Actuellement, cela signifie que deux choses arrivent en grande quantité, la pollution et les patients ayant besoin d'une opération de chirurgie. Je recommande la construction d'un hôpital universitaire pour former des chirurgiens. Toute opération de chirurgie demande un docteur qualifié dans ce domaine, mais de grosses sommes sont à la clé. En effet, ça rapporte la chirurgie. Eh bien, on va faire une pause. Je vous laisse et je vous retrouve demain pour ce début. On a une zone ici, deux zones, trois zones, quatre zones, cinq zones, six zones comme la dernière fois, je crois. Eh ben, ça a l'air pas mal. On va voir comment on peut organiser ça. Allez, je vous retrouve sans doute demain ou après-demain pour la suite de ce Let's Play.